Maya et ses amis. Bonjour les copains. Je suis tellement contente de vous retrouver. Allez, venez avec moi. Nous allons découvrir tous mes amis et tous les secrets de la prairie. Et maintenant, Lara. Lara est la coccinelle la plus coquette de la prairie. Je peux papoter avec toi? Tu sais que j'ai de très très gros soucis en ce moment. Ah? Oui, j'ai le teint brouillé. Ah. Je me fais des masques de jus de nectarine, mais ce n'est pas suffisant. Mais j'ai entendu dire que la reine utilise sa gelée royale pour son visage et que grâce à ça, elle a le teint follement frais. Tu as essayé, toi aussi? Arrêtez. Si ça continue, je vais avoir des cernes sous les yeux. Oui, mais son magnifique teint va en pâtir. Merci, Ben, c'est gentil. Je parle de ma boule. Ah, que tu es jolie. Lara? Oui, c'est pourquoi? Oh, que tu es jolie ce soir. Tu as fait quelque chose à ta carapace? Oh, tu as remarqué? Oui, je l'ai lustrée. Ça te va très bien. Je suis d'accord. Je suis merveilleuse en tout. Mais Lara a quelques petits défauts. Elle pense un peu trop à elle. Ce qui compte, c'est d'avoir un premier rôle très fort. Moi. Certes, mais on pourrait aussi raconter l'histoire. Je veux des grandes tirades pour que le public puisse voir comme je joue bien. On pourrait surtout raconter l'histoire de notre rencontre et comme c'est bien d'être copains. Oh, il faudrait aussi des scènes où on verrait que je suis une coccinelle. Génial. Je serais héroïque, bien sûr, mais émouvante aussi. Et belle. Elle aime beaucoup me rendre jalouse. Willy, je peux te parler une minute, seule à seule? Ben, si tu veux. Continuez sans moi, les copains. Je reviens. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Ben, je te regardais jouer au rugby. Je me disais comme ça que c'est fou ce que tu peux être intelligent et courageux. Qui ça? Moi? Ben oui, toi. À qui tu veux que je le dise, espèce de... Willy. Je sais pas, c'est la première fois qu'on me dit ça. Quoi? Ta grande amie Maya ne te dit jamais que tu es intelligent et courageux? Ben... Bon, tu viens promener avec moi? Bah d'habitude c'est plutôt avec Maya que je me promène. Hé, j'ai une idée. Et si on allait faire du bateau-feuille tous les deux? Du bateau-feuille? Mais d'habitude j'en fais plutôt... Avec Maya qui te dit qu'elle est ton amie mais qui ne te fait jamais de compliments. T'as raison, d'accord. Bref, c'est une petite peste. Tu viens te balader avec moi? Désolée, aujourd'hui il se promène avec moi. Hein? Mais Willy? Fort heureusement, Lara possède un don étonnant et bien pratique. Oh, vous me faites de l'ombre. Désolée, dis, on aurait besoin d'un petit renseignement. Toi qui sais prédire la météo, tu pourrais nous dire s'il va y avoir un orage bientôt? Je vous le dirai si vous m'amenez un cocktail de nectar bien frais. On se dirige vers une fin de semaine très douce. On retrouve quand même une perturbation avec des rafales de vent jusqu'à 60 km/h qui touchera les côtes de la forêt et qui s'étendra jusqu'à l'étang. Beaucoup de nuages et des températures qui ne varient pas. On ne te demande pas la météo complète sur toute la semaine. On te demande s'il va y avoir de l'orage. Gros orage aujourd'hui en fin de journée. Ah là là, sacrée Lara. À très bientôt les amis.